Ouvre bien ta bouche. Où sont les rangs? Les rangs, rangs. Où sont les rangs? Tu connais les frères de rangs, rangs? On devrait l'injecter dans la jungle de la Nouvelle-Calédonie et voir comment ça se traite là-bas. Mais il n'a pas entendu ce que tu as dit. Où sont les rangs? Les rangs, les rangs, les trois frères de rangs. On cherche les trois frères de rangs. Tu connaissais les rangs? Je ne connais pas un monsieur qui s'appelle Monsieur Rang. C'est un français? Est-ce que vous parlez français au moins? Vous ne pensez pas parler français? Oui. Il a compris. Il a dit oui. On dirait que c'est français. Essaye de parler français. Parce qu'on est à la recherche de Rang. Rang. T'as donné ta langue au chat? Il va parler, lui, il va parler. On cherche le monsieur Rang. Est-ce que vous le connaissez, monsieur Rang? Vous ne connaissez pas de Rang? Il parle français, lui. On devrait l'injecter dans la jungle de la Nouvelle-Calédonie, voir comment ça se passe là-bas. Je pense qu'il est perdu. Tu peux leur poser les questions? Mais nous, on va revoir la question. On a déjà vu la question. Mais on va encore revoir la question. Il parle en français, t'as vu? Je connais pas de Rang. Vous connaissez pas de Rang? Non. Et pourtant, on m'a dit que vous connaissiez Rang. Je connais pas de Rang. C'est une trafic informatique de chinoise. Je ne connais pas. Bientôt, tu vas connaître. Tu connais pas. Vous savez, nous sommes des hommes bien renseignés, nous, à propos de c'est ça. Tu as quoi dans ton sac, là? J'ai rien. Tu filmes les amas? Non. Qu'est-ce qu'il y a dedans à l'intérieur? J'ai rien, j'ai mon portable. Est-ce que vous pouvez nous montrer ton portable? Non. Pourquoi vous ne voulez pas nous montrer? C'est pas à toi. Je sais que c'est pas moi, mais on fait des enquêtes. Ouais, mais j'ai rien fait. Moi, j'étais avec mon ex. Est-ce que vous avez entendu, il est avec son ex? Et nous, on n'est pas à la recherche de son ex, mais à la recherche de trafiquants de drogue. Donc, ton ex, c'était ta première ex ou bien ta deuxième ex? Deuxième ex. Mais moi, j'étais avec elle hier. Ce genre d'histoire, nous ne sommes pas nouveaux. Nous sommes déjà très renseignés dans le domaine. Monsieur Rang, toi, tu connais Monsieur Rang, non? Non. Je ne connais pas de Rang, moi. Nous savons que vous avez pris contact avec ce monsieur. C'est pour cela que nous, aujourd'hui, on est venu vers vous pour que vous puissiez nous expliquer où se cache ce monsieur. On a déjà vu la question. Je ne connais pas de Rang. Mais on va revoir ces questions parce qu'on n'est pas venu ici pour rien. On est venu ici pour que vous puissiez nous donner des informations pour savoir où se cache ce monsieur Rang. Je ne le connais pas. J'ai jamais pris contact. Vous voulez pas donner des renseignements? Nous, on sait comment aller chercher. On ira chercher ces renseignements là où tu les caches au fond de ta mémoire. Alors, tu nous dois de nous donner ce que nous voulons savoir, sinon nous procéderons à un système D. Tu connais système D? Non, je ne connais pas de système D. Tu vas connaître. Mais comment ferait-il qu'aujourd'hui on nous a parlé de vous et du coup on est venu vers vous et vous ne savez même pas comment s'appelle ce monsieur? Voici, les dossiers, ils sont tous là-dedans. Ah, comme vous pouvez le constater, nous avons l'œil sur vous depuis quelques temps et nous avons l'impression que vous menez une autre vie.
Il y a tout dedans. Dans l'une des... Ça, c'est parce que Rose, c'est pas les papiers que tu te... Non, mais attendez, attendez. Attends. Ça, c'est pas les papiers roses que toi tu essuies tes fesses aux toilettes. Ça, c'est quelque chose de très important. Tous les renseignements nous sont dedans. Oui, oui. Dans l'une de ces vies, vous êtes monsieur. Monsieur Abdou, respectable pour la vie courante, et vous logez à votre logeuse de descendre ses poubelles. Mais vous avez une autre vie électronique. Quand tu regardes, nous savons quel individu a pris contact avec lui. Il a tout comme portable, j'en viens. Il a tout. Ça se montre que c'est un petit voleur, hein, t'as vu là? Nous avons remonté tous les appels que vous avez procédés avant. Nous avons remonté tout ça depuis le 2002. Moi, j'ai pas de contact avec ce homme. On va bien voir ça. On va faire parler, on va faire parler l'électronique. Vous avez remonté la filière par laquelle... Le satellite fait montrer tout. Par laquelle tout, que vous êtes en relation avec tous ces gens. Nous vous demandons simplement, en échange de votre vie, de nous traduire ce trafic avec nous. Et on vous laissera la vie sauve. Donc, on vous écoute. Je ne connais pas de rang. Ah, je ne suis pas un balance. Pardon ! Ça, c'est les gens d'histoire de moi, j'aime pas. Toi ? Le jeu soit des balances, tu n'as pas dit que tu es un balance ou pas, c'est nous. Nous allons être jugés par nous-mêmes. Non, je ne vais pas regarder. On va expliquer ça. Ouais, ouais. Bon, vas-y. Ouais. Moi, je pense que c'est ça l'histoire. Tu vois? Alors, quand on parle, j'aime pas qu'on dit que nous, on va. Du calme, assis-toi. Non, on va expliquer ça. Assez-vous. Sans chauffer. On va lui parler très discrètement. Il n'y a pas de bagarre. On va lui expliquer. Où se trouve ce monsieur? Parce que c'est très important ce monsieur pour nous. On doit le retrouver. Ça, je peux? On va le tuer. On fait parler les bras même toi si tu crois pas de langue. Pardon? Ça, je peux. Vous voulez vous battre? Attends, on arrive. On arrive. Allô. Bonjour, monsieur le directeur. Monsieur, bonjour. C'est à l'heure de faire votre connaissance, monsieur. Moi aussi. J'espère que vous pouvez nous aider à comprendre ce qui a mal tourné afin qu'on puisse éviter un nouveau carnage. Et je souhaite apporter à cette affaire une conclusion rapide et satisfaisante. Vous pouvez me montrer? Oui, bien sûr, tout de suite. Ah, comme vous le savez, dès que vous nous avez informé des activités criminelles du trafic en sang, nous avons lancé notre opération sur place et remonté la filière par laquelle il est traditionnel en France et dans un esprit de coopération. Nous allons de bonne grâce accepter votre proposition d'envoyer nos inspecteurs. Je vous laisse en garde par. Tiens, voici, là, l'observation. Donc, au moment que nous attendions que ce contact arrive, et là. Il observe à nos côtés. Et puis il se dépolarise qui nous échappe, il devient complètement fou. Et dans la minute qu'ici, il attaque le garde du corps et tu sembles de la prostituée. Voici l'arme par laquelle il a assassiné son homme. Vous la reconnaissez? Oui. Ah, bien sûr, nous avons bien sûr vérifié ses empreintes sur l'arme. D'accord. Si vous souhaitez plus d'informations, on va vous contacter pour qu'on puisse vous mettre... Excusez-moi un petit peu. Oui. Vous pouvez baisser la musique parce que je crois que j'écoute monsieur là. S'il vous plaît.